Et tout le monde, c'est Clé, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu de GTA 5. Je l'ai acheté récemment sur PS4. Donc là, c'était. J'ai réussi à récupérer mon transfert de perso, donc c'est impeccable. Donc là, c'était du coup mon dépistage pour la nouvelle mission au braquage, parce que j'avais pas eu l'occasion de les faire. On peut faire via son appartement. Donc moi, là, j'ai pas organisé le coup, je suis juste le pilote. Monsieur, j'ai un jeune chauffeur civil. Il conduit vite et bien avec beaucoup de maîtrise. Je m'en porte garant. Que l'on fait ce genre de merde. Ouais. Bref. Donc du coup, alors le but de la mission en fin de compte, donc là, en tant que pilote, moi je dois juste déposer une personne qui a organisé le coup à la banque que l'on va braquer. Donc plus pendant ce temps-là, alors je vais vous mettre un lien d'une vidéo d'un collègue qui fait aussi des vidéos, Playgo. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne et il explique ce que fait le mec qui organise en fait, donc le foreur. Donc là ça y est, on est arrivé à la banque. Donc lui, il a piraté le système pendant que moi je roulais. Ce qui permet d'ouvrir la porte, voilà. Donc là, on va descendre. Et on met les masques. Donc nous, on est vraiment un peu l'assistant, quoi. On est là pour péter les caméras et maintenir l'ordre. Hop, on va se débarrasser des caméras le plus vite possible. Moi, comme c'était la première fois, bah du coup, j'ai dû un peu attendre les ordres. Parce que je savais pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Donc, pendant ce temps-là, le mec fort, hein, il est en train d'ouvrir le coffre. Ensuite, on garde les personnes, enfin les otages, qui fassent pas de conneries. Moi, j'ai pas, j'ai dû, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait, ou alors c'est parce que le foreur a réussi de prendre le paquet ou le colis. Donc, franchement, allez voir sur la chaîne Playgo pour ce qui est de l'ouverture du coffre, parce que c'est vraiment bien expliqué. Là, moi, c'est plus le rôle d'assistant que je joue, donc vous servez juste de pilote en fait. Hop, la bagnole est hyper blindée, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Allez, go. Alors vous allez voir que l'évasion, quand même, c'est assez facile, je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire, et puis la voiture, vous risquez vraiment rien. La bagnole, on va la chercher chez Lester. Donc comme on fait une toute petite, attention, ouais, là il y a des barrages, la bagnole tient largement le coup. Alors comme on a, comme on est seulement le pilote, donc un peu l'assistant, on touche pas le gain total. Là, il m'a mis 30% en fait de la somme, donc 100, sur 143 000, je crois, je vais pas du coup. Je touche une petite somme, mais bon, c'est déjà ça en fait. Ça va, je veux dire, pour le travail que j'ai fait, c'est vraiment pas mal. C'est l'organisateur qui décide de faire ça. Donc là, nous, je vous dis, c'est vraiment, on emmène la personne et on essaie de l'aider au mieux possible pour que le coup soit réalisé sans accroc, on va dire. Donc bon, après, il y a toujours des petites couilles. Il y a. Fait partie du métier. Hop, donc ça, ça gère. Une fois que la mission est réussie, voilà, on revoit Lester et on récupère du coup, donc gain potentiel 143 750, donc là c'est bon. Et nous on va récupérer nos 30% butin, voilà, 43 130. Donc c'est pas le cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao. Allez, c'est parti.